Une histoire qui commence dans une gare. C'est ça, un nouveau moyen de transport qu'on n'a encore jamais trop testé pour aller surfer, le train. Donc nous voilà à la gare de Quimper, de bon matin. Alors, tu vas avoir ces nouvelles modes? Ouais, c'est le seul luxe que je me suis octroyé, mais c'est too much, j'ai pas la place de le mettre, nulle part. Difficile de prendre un mois de matos avec nous. On part donc en mode minimaliste de Bretagne avec Wouin. De son côté, Nono fait la même de Biarritz. L'idée, c'est de se retrouver à mi-chemin chez le copain Bertil. Les vagues s'annoncent plutôt bien. La norme des trains à grande vitesse en Europe, c'est pas de bagages de plus d'1m30, ce qui fait une 3-2, alors pas la combi, hein, mais une planche de 3 pieds. Pour l'instant, en prenant que des TER, qui ont des grands espaces pour vélo, on devrait être toléré avec des planches normales jusqu'à Anglet. Là-bas, Notox travaille sur des planches qui devraient répondre à notre problématique de jauge TGV. Voilà, la nouvelle planche de monsieur Ewan Le Goff, alias Wouin. Prochain arrêt, Lorient. Prenez garde à l'intervalle entre le marchepied et le quai. La Nantes, 3 heures pour la prendre la correspondance, ça devrait aller. Le violon, toujours. C'est la trompette de Ronus. Votre attention, s'il vous plaît. Je rappelle que ce train est un intercité, ce n'est pas un TER. Vous avez normalement un numéro de voiture. Ce train desservira toutes les gares de La Roche-sur-Yon, Luçon, La Rochelle, Rochefort, Saintes et Jonzac. Heure d'arrivée prévue à Bordeaux. Jonzac. 16h09. Pas Jonzac. Jonzac. Super, je t'en prie, à très vite, à très bientôt, bon voyage avec en famille, ciao. Les gens qui nous écrivent pour avoir des... Ils partent un an faire le tour du monde en bateau, toutes les semaines. Hein. Ah, ce magnifique son. Allez, on va faire un feu de camp, les gars. Chauffeur VTC. La machette ou quoi? Ouais. Ça c'est du rock, ça. Ça c'est du rock. C'est original, alors, la forêt et la mer. C'est dingue, hein? Sans la dune. C'est 2024. Il est bien, mais pas top. C'est ça les influences. Le Bertil, là on tourne depuis 7h du mat. Bertil. Et il est 16h30. Il y a des bombes. Ouais, il y a des bombes. Bah voilà, on a trouvé les bombes. Okay. Dans 10 minutes, c'est la sauf. Je... Ah ouais. C'est quoi les gars? On dit quoi, Léo? On se retrouve à l'eau. We'll be right back.
fait de faire 15 heures de train. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'on a les bornes Notox qui arrivent en kit. On va pouvoir se déplacer en TGV. En TGV. TGV. On sera avant le soir du coup, parce qu'avec le TGV, ça va super vite. J'ai mon pote Anto Marchand qui arrive d'un tour du monde en solitaire en trimaran ultime. Je remonte donc en speed jusqu'à Brest pour redescendre après-demain dans les Landes où on a rendez-vous chez la star Vincent Duvignac. En attendant, Nono et Ouin-Ouin font un aller-retour dans le Pays Basque pour aller surfer avec une autre star nommée Vincent. Ça va, gars ? Oh putain ! Oh putain ! Tu connais ? Ouais, moi je l'ai vu le film, Anna Summer. Alors est-ce que tu crois qu'il y aura la même droite derrière la dune ? En version plus courte, plus ronde et plus intense. Ah oui. Ah oui. Alors. Tout bon. Alors. Oh la gauche. Oh la gauche. Oh la droite. Oh la gauche. Oh la belle charmante. J'appelle les potes comme ça on est 25 à l'eau non, ou quoi. Donne-moi ton téléphone tout de suite. Alors. On a été accueillis par une contrôleuse très sympathique. Et elle nous les a laissés rentrer dans le train, mais elle a dit que la prochaine fois... En se renseignant, on a vu que c'était autorisé d'avoir les planches dans le TER, et elle vient nous apprendre que non. Qui c'est qui est là? C'est l'ourson. Et on s'est permis d'inviter deux personnes demain. Ah merde. Alors un autre Vincent. C'est qui? Ah un ouais autre Vincent. Vincent qui? Et il est plutôt avec des roulettes que des ailerons. Ah Vincent Milou? Ouais. Ah trop cool. Ouais, ah ouais. Et ouais. Sérieux? Ouais. Ah ouais, il s'est qualifié pour les JO et tout. Il va faire les JO aussi. Jure. Ouais, autant les Lost in the Soul, ça fait pas grand chose, mais Vincent Milou, ouais. Du vie. Petit cadeau quand même de bienvenue. Oh, des petites binous. Ouais, des palais bretons. Ouais. Merci les copains. Mais de rien, au plaisir. Oh, on va se mettre à l'aise, hein. Ce soir, il est cool le salon. On est à... Bip. Je crois que tu filmes déjà trop les alentours, là. Je sais, c'est pour ça que j'essaie de filmer. Filme les pieds, regarde. Secret spot. Aucun indice. Tu nous as dit de filmer vers le bas, Vincent. Là, c'est pas Milou, c'est Capitaine Haddock. Et je go en boss. Don't panic. Et je go en boss. Sur la plage depuis 9h du matin. Poulet rôti. Depuis 9h du matin, Milou et Adolf. Monsieur Anderson, je vous ai cherché longtemps. On attend que ça monte. Voilà, il y a 117 de coiffe aujourd'hui. En fait, ça n'arrête pas de bouger tout le temps. Dès qu'on voit un pic, ça marche plus dès qu'on y va. Au moins. Au moins. C'est bien, tu prends bien l'accent ouais, du coin. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. My feet be keep.
boss. J'avais demandé de se refaire un peu moins bien. Mission, fais ce que j'ai pu, mon petit dodo. Ah ouais, bravo. Hein. C'était cool, hein. Ouais, c'était sympa, hein. Merci. Oh là là, ah, putain, merci, ces couleurs et tout, là. Donc, ça va? Ça va. Ouais, toi? T'as vu que t'avais ton petit cartable avec ton nom dessus? Ouais, et tout, c'est un beau cartable. Petit sac de chez All Purpose en voile de bateau upcyclé. C'est ça? Mmh. Bateau de qui? Bateau de qui? Voile de qui? Et pour quelle course? Le relou. Ça devait être un breton. Le breton en question, c'est Damien Seguin. Les sacs ont été faits avec une voile d'avant de son Imoca qu'il a ruiné pendant le dernier Vendée Globe. Merci Damien. On voyait la voile se balader dans les trains portugais. Benoît, le shaper de Notox, s'est chargé de faire le modèle favori d'Aurel, puis celui d'Ewen. Ensuite, Pierre, l'ingénieur de la bande, a donc découpé les bords de neuve pour faire ce système en carbone de planche en kit. Ah oui, ah, c'est parfait. Avec les vis, le pads et la structure en carbone, ça fait 700 grammes de plus que la planche originelle. Est-ce que les mensurations sont bonnes pour un TGV? 1m23. C'est bon. Une jolie pierre tombale. C'est clair. Benoît m'a aussi fait un longboard de compète avec un pont en chaîne, mais ce sera pour un autre trip. Dans le train portugais. Ouais, voilà. Sur le train. Sur le train. C'est la rentrée, c'est ça. C'est le premier jour de la rentrée aujourd'hui avec Aurélien. Allez, bon, les boys. Merci monseigneur. Ouais. Merci. Merci à Benoît. Les prefs sont bonnes pour le Portugal. Une fois arrivé à Lisbonne, grâce à Oxbow, c'est un taxi de compète qui nous attend. L'idée c'est d'appeler Michel. Miguel. Miguel Blanco. Alias Michel Blanc, si on fait la traduction en français. Qui vient de rentrer dans la team. Voilà, c'est répond direct. Oxbow. Hey Miggy! Oh, what's up, dude? Yeah, boy! Latino swag! Yeah! Sauf que, il n'y a plus de place disponible dans le seul train qui permettait de traverser la frontière entre l'Espagne et le Portugal. Ça nous permet de nous rendre compte que réserver des trains en Europe, c'est une galère. Et qu'il faut s'y prendre très à l'avance. Bref, c'est loin d'être aussi simple que l'avion, mais j'y reviendrai plus tard. Vous voulez voyager léger, c'est raté. On finit par trouver un trajet vers la côte espagnole et on devrait arriver à temps pour la houle. Tu vois le train là? Ouais, c'est le nôtre. On a juste raté le Topo, le train du Pays Basque qui traverse la frontière d'Andaille jusqu'à San Sebastian. Ça devait nous faire économiser 40 minutes de voiture, donc c'est ce qu'on va faire, je pense, avec Benjamin. qui nous a dit « Oh, tranquille et tout, on est au resto, mais ça le fait », voilà, classique. Voilà, dans les bas-fonds de San Sebastian.
11h, minuit, un truc comme ça, et train demain matin à 4h30. Évidemment, comme en France, il n'y a plus de train de nuit. Il n'y a presque plus de trains régionaux, impossible de longer la côte ou même de faire une route plus directe entre des villes moyennes. Tout passe par Madrid, au centre du pays. Madrid, San Martín, Clara Campoamor. Qu'est-ce que tu dis alors ? Je viens lui demander si c'était autorisé les planches de surf dans les trains, mais il dit non, trop grand, trop grand. Ok. Je me dis, c'est bien, on n'en a pas. On est parti à 4h30 ce matin. Et là, il est 10h, nous sommes à Madrid. On reprend un train dans 3h. On arrive sur la côte. Oh la vache, ah ouais. C'est sûr, t'as réveillé, pile. Ça va pas. Et on arrive sur la côte ce soir à 17h. On loue une voiture pour les derniers kilomètres. Et oui, shame. C'est bien le train. On est à fond dans la technologie, à vouloir commander des billets de train à la dernière minute et à vouloir trouver des logements à la dernière minute, mais sauf qu'on est complètement hors saison et que les trains sont pleins. Et du coup, on fait n'importe quoi. Et on dort où, Nono? T'as vu, j'ai les yeux qui louchent. Ouais, j'ai vu, ça sent une Formule 1 de passe. Bah, notre grande, c'est là où on va d'habitude, hein. T'as mal surfé un petit peu, mais t'es pas colère par rapport à d'habitude, tu vois, c'est ça le truc. Parce que tu te dis que c'est pas de ta faute. C'est de la faute de la board. Non, les boards sont très bien, mais c'est vrai. C'est bien rigide. Non, ouais, c'est ça. T'es ça en bac un peu. Non, j'ai pris une petite merguez en fin de bac. Ouais. Ah ouais. On a préféré. On a sur en front, hein, facile. Malheureusement, Nono tombe malade, mais genre bien vénère, il ne sort pas de son lit pendant 48 heures d'affilée. De notre côté, on essaye de faire quelques images de la houle qui rentre, avant de tomber malade nous aussi. Sable, mais ça va, ça a pas bougé. Le Nono est malade depuis avant-hier. Une espèce de bronchite de l'espace. On m'a envoyé chez le médecin ce matin, du coup il est sous médoc. Je me sens un petit mal de gorge, un petit rhume. Est-ce que c'est pas le mot interdit?
on chope un train pour aller jusqu'à Porto et après jusqu'à Lisbonne. On attend que nous aille mieux et Inch'Allah qu'on tombe pas malade. Réponse demain matin à 5h30. Il est sorti ? Il est sorti du locos. Il était temps, c'était un peu long. Ah, c'était dur, hein. Pourtant, j'étais pas tombé malade comme ça, là. Et voilà, avec beaucoup de fièvre, et du coup, j'ai rien mangé pendant 4 jours, et puis voilà, quoi. Super, super trip, pour l'instant. Et puis, je refile tout ça à monsieur Ronan Gadu, qui ensuite va donner ça à Ewen. Hier, Nonon un peu mieux, Ronus c'était la descente aux enfers. On devait arriver ici à Vigo, prendre le train hier soir pour Porto à 20h30, un truc comme ça. Ça nous arrivait à 23h, sauf qu'on était tous en cata. Donc on n'a pas pris le train, on a décidé d'attendre aujourd'hui, voir comment on était. Un peu mieux, sauf qu'on a re-raté le train de ce matin, il y en avait à 9h, mais bref. On va prendre le bus, tracer la frontière, aller à Porto, reprendre un train. Et aller sur la costa. Nous arriverons dans quelques minutes à votre destin et nous espérons vous revoir bientôt. Je suis malade sur la route, et voilà, ça n'est pas de jaloux. Moi je vais mieux, mais vraiment apparemment est off, et toi Ronan, tu te plains depuis ce matin. On attend Michel Blanc. The photo on WhatsApp on our group, we put that's Michel Blanc. Back, the boys told me about Michel Blanc, and I'm like, who the fuck's that? Non, je crois que c'est une réserve de surf mondiale. Je sais pas, ça fait que. Ils ont plus de culpabilité à donner le nom des spots. Et vous allez voir le résultat. On n'est pas tout seul. You see that they put the black tags to see how dangerous the wave is. So we try to avoid people that are learning how to surf to come here and try to get waves that they're not capable of, you know. And yeah, pretty much no cooks here, by the way. Kind of works, man. Let me tell you that it kind of works. I mean, we, you know, Ericeira is such. Whoa, look at this thing. On s'aperçoit, t'es pas en haut de la chaîne alimentaire du surfeur. C'est-à-dire que on prenait les restes. Voilà, on grattait les os. Et la moelle. Vous saurez que le moment de tourner la page est arrivé quand vous entendrez teinter ces clochettes. Et maintenant, commençons. Maintenant, il faut qu'on rentre jusqu'en Bretagne, au bout du monde. Essayez pour voir de rentrer un trajet en train de Lisbonne jusqu'à Quimper sur n'importe quel site ou appli. Le truc va bugger, vous rironner ou au mieux vous proposer des bus de l'enfer. De Google Maps à Trainline, on a tout poncé. La seule option viable reste Interrail. C'est déjà le seul site qui permet de simuler des trajets en train en Europe avec correspondance entre pays.
Mais pour les non-jeunes comme nous, un peu plus de un mois de trip, c'est 830 euros le forfait par personne. Mais surtout, une fois le trajet simulé, on ne peut pas vraiment réserver les billets. Pourquoi ? Parce que les compagnies de train refusent de partager leurs fichiers clients, à l'inverse des compagnies aériennes. Donc, c'est l'angoisse. On est obligé de réserver nos billets section par section avec trois applis différentes. Combio des Portugal, Renfe et SNCF Connect. Et de jongler entre hôtel et Airbnb. Parce qu'en 2024, apparemment, c'est trop compliqué de mettre des phares sur des trains. Merde quoi, depuis quand il n'y a plus de train de nuit? J'ai le souvenir gamin de traverser la France dans un lit. J'ai rêvé ou quoi? Aujourd'hui, à part de grandes lignes hyper rentables entre capitales, même de jour, il y a très peu de trains qui traversent les frontières européennes. La vie c'est dur, putain. On regardera les gens qui bossent, ceux qui peinent à trouver une as. Toute la belle bande d'autocars qui sortent de l'hôtel Balthazar. Costard, cravate, écoute, savate, c'est la mafia. Aristocrate, nourri au foie gras et au miel. Par la tribune présidentielle, on leur jettera nos mégots. On les traitant de collabos, puis on crachera salement des trucs affreux. Gluons parce qu'on aime bien les voir tirer la gueule le soir. C'est la vie, c'est dur, putain. La vie, c'est dur, putain. C'est dur, putain. Alors, le dernier kilomètre ? On a laissé Nono à Biarritz parce qu'il habite là. Ah, il est trop tôt là. 4h30, je crois. On a ce soir à 19h. Donc voilà. Enfin, longue journée, longue journée. C'est la vie d'un connard comme toi qui prend ton corps au Pôle emploi. Avec plein d'autres connards comme moi que les gens pointent du doigt. À regarder les gogoles s'embrouiller. Ouais, gros, tu m'as mal maté. La vie c'est dur, putain. La vie c'est dur, putain. Le même trajet Nantes-Lisbonne en avion, c'est 2h et 5 minutes pour 154 euros. Par contre, ça multiplie par 48 le bilan carbone du trip. Et c'est pas cher parce que l'avion est subventionné dans tous les sens, à l'opposé du train qu'on laisse pourrir dans son jus. Alors qu'il ne manque pas grand chose pour que ce soit une vraie solution simple, efficace et agréable. Quel gâchis, on marche vraiment sur la tête. Putain, c'est dur. 60 heures de trajet. Ah ouais, quand même. Dans l'avion, tu traces la planète. Trois fois. Et maintenant, on a une dernière surprise, à savoir si la voiture de Ronus est toujours là après 3 semaines garée à la One Again à côté de la gare. Faut que les clés soient tues aussi, parce que j'ai laissé les clés dans un coffre avec la clé. Ah, le temps breton! La Bretagne! Les Bretons, ouais, entre le temps breton! Il se pleut! Le printemps n'arrivera jamais! Ça. C'est la mousson! Voilà. La mousson qui dure 8 mois! Voilà!